Hey, what's up les gamers, c'est Zerd, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, puisque aujourd'hui, on va prank Pimousse. Donc Pimousse étant quelqu'un qui a une base par là-bas, là, c'était le premier qui est venu rejoindre le serveur. Donc, on va le prank. Alors, ça va être un prank assez gentil, hein, dans le sens où. Ça va être un prank petit, gentil, et que va pas y avoir de. Oups. Et que il n'y va pas y avoir de casse ni rien normalement. Sauf si quelque chose se passe mal. Donc, le prank, il consiste en. Vous voyez ces petits sauts que j'ai là? Ce sont des sauts de glowstone inversés. C'est-à-dire que l'eau, quand vous la mettez en haut, elle va descendre. Ok? Là, je mets de la glowstone ici. Elle va monter. Ok? Elle va monter comme ça jusqu'à l'infini en fait. Et donc, le but, ça va être de recouvrir toute sa base, donc tout autour de sa base, avec des sauts. Donc, on va faire ces petits sauts-là. Donc, j'espère qu'il va pas scope, parce que scope. On est dans le mal, hein. Bien sûr qu'on est dans le mal, Cisco. Mais ça peut être bien marrant. Donc, bien sûr, on va s'attendre à des représailles. Et c'est pour ça qu'avec Plasma, on a pensé à un petit prank, donc, que je vous dirai pas quand même. Mais on a pensé à de futurs pranks. Alors à lui ou à d'autres, j'en sais rien. Donc, le temps que ça fasse ces petits sauts de Glowstone là. Donc j'ai un petit peu avancé sur Erebor. Tiens, d'ailleurs, il y a un nuage là. Donc voilà, donc j'ai pas fini encore la façade, mais ça viendra. Je continue petit à petit. Ensuite, à l'entrée, donc j'ai fait ça. Donc ça sera alimenté par de l'énergie justement. Donc j'ai fait passer des câbles ici pour que ça fasse joli. Donc des câbles violets, donc j'ai mis le psy en bas, tout ça. Coucou. On peut voler stable avec un jetpack. Voler stable. Ah, je veux avec son armure, ok. Donc, attends, on va le dire. Bonjour à YouTube. Hop. Donc. Comment tu fais? Bah, je savais pas qu'on pouvait voler stable avec un jetpack. En tout cas, merci à Colinou de m'avoir part de cette expérience. Donc, je disais que ça sera alimenté donc par les câbles en dessous. Donc l'énergie passera soit de là, j'ai pas fini encore exactement, parce qu'on voit que les câbles s'arrêtent ici et c'est pareil pour là-bas. Donc ici en gros c'est l'entrée. Donc l'entrée comme ça où on va faire où on va justement passer comme ça. Et pour ça c'est des trônes en fait. Donc des sous-trônes, parce que j'appelle ça des sous-trônes et le trône. Hop. Donc là, ça va, je vais faire le sol. Et voilà quoi. Donc j'ai plus, je pense que j'ai plutôt pas mal. Hein? Pourquoi je pouvais pas voler? Si je peux voler, je peux voler. Ça va être plutôt pas mal, je pense. Donc j'ai bien avancé. J'ai fait cette partie là-bas, j'ai fait cette partie là-bas. Le mur là-bas, je sais pas quoi faire encore. Je pense que ça va être une salle. Ici il y aura donc des trucs de l'AME, donc on pourra crafter ici, crafter là-bas. J'aurai mon petit bouton wireless, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc ça on est où? Les. On en est à notre saut. Combien il nous ferait de saut? Ah. Hop. Donc, niveau
Ça c'est cool ça. Niveau saut, on va être comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sauts on a. Donc c'est 11 sauts. Maison. Pimousse. Hop. Non. 6. 6, 12, 18, 24 sauts il me faut. 24 sauts. 24, on en a la moitié à peu près. Oula. 24, on en a la moitié. Touk touk touk. Bah vous savez quoi, je vais attendre d'avoir les 24 sauts et je vous reprends après. Donc, pendant ce temps que c'est en train de faire nos petits sauts de glowstone, je vais vous montrer ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une machine qui mine à partir de rien. C'est-à-dire que c'est pas comme une quarry qui va devoir miner, qui va prendre des blocs en fait. Si vous connaissez le mode Industrial Foregoing en 1.12 ou Mine Factory Reload, qui était donc cette version mais avant, vous comprendrez. Et donc pour faire cette chose en fait, donc ça mine à partir de là, c'est comme le laser drill de Mine Factory Reload, c'est-à-dire que ça va juste demander beaucoup d'énergie. Prompt, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et pour miner tout en fait, ça peut tout miner. Par exemple, j'ouvre le coffre ici, c'est ce que ça a miné cette nuit. Donc ça a miné tout ça. Sachant que nous on a besoin de ça pour produire de l'électricité. Donc nous on veut ça, mais à côté ça nous produit de plein de choses en fait que. Qu'on peut avoir soit durement, enfin soit difficilement, soit c'est assez chiant à voir, ou après ça nous donne aussi des trucs du nether, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt cool. Tiens, on va mettre ça à cuire. Hop. Et donc après je mets ça et ça nous donne des ressources comme ça. Et puis voilà quoi. Donc il y a plusieurs niveaux. Hein. Ça c'est le tier 1, donc c'est le tout premier, ça peut aller jusqu'à tier 6 ou tier 7, je sais plus. Et donc le tier 7, il mine plus vite. Et il me semble qu'il a des ressources plus dures à avoir. Donc voilà, voilà. Donc c'était juste la petite aparté de la chose. Et je vous retrouve après. Donc une fois que qu'on a tous les sauts. Donc on attend le dernier saut qui est en train d'être produit. Donc. Et on va y aller tout doucement. Mais sûrement. Ouais, donc bon, c'est un prank que j'avais réfléchi il y a longtemps. Bon, malheureusement, j'avais pas assez de glowstone pour le faire. Et donc, hier soir, avant de me coucher, je me suis dit, tiens, demain, pourquoi pas le prank. Du coup, j'ai fait des petites graines de glowstone qui sont ici. Donc, ça m'a donné de la glowstone essence. Et donc, quand on en met comme ça. Ça me donne 16 glowstone pour 3, 6, 8 poudres, sachant que j'en ai 4000, un peu plus de 4000. Donc, voilà, j'ai à peu près 8000 de glowstone, donc, ce qui est potentiellement pas mal en soi. Donc, où c'est que ça en est? Je vais le laisser tourner de toute façon, ça, parce que j'aurais besoin quand même des sauts de glowstone pour de futurs crafts. Et voilà, notre dernier saut. Est ici, donc on va pouvoir se rendre chez Pimousse ici et hop, et bah commencer à les placer. Ah, hop là. Alors est-ce que ça fait mal? Non, ça va. Hop. Hop.
Donc, voilà. Ah, il y a des petits trucs qui sont enlevés ici. Voilà. Ah ouais, ok. Bon, c'est pas grave. En soi, donc sa maison est entourée de glowstone. Et du coup, voilà quoi. Donc mon prank est terminé. Donc putain, ça fait quand même jusqu'à... Oh la glowstone, hein, c'est abusé. Hein. Ah la plante, un petit peu abusé aussi. Hop. Je regarde, je fais un petit peu le tour. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça fait ça en fait. Ah, parce que. Ok. Bon, s'il y a que ça, je m'en fous, mais ça aussi. Ok, donc ça m'a l'air plutôt bien. Donc, le prank est terminé. Sa maison a été entourée entièrement de liquide de glowstone. J'avais fait quand même 26 sauts hein, de glowstone. Et donc, du coup. Par contre, j'espère qu'il comprendra que faut pas aller en haut pour chercher le liquide. Hein. J'espère qu'il comprendra ça. De toute façon, j'ai quand même bah, laissé du coup l'accès en haut pour qu'il puisse rentrer, genre s'il y a des sauts dedans ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui annoncer que je l'ai pranké, comme ça, au moins, vous aurez sa réaction en vidéo, je pense. Et puis voilà. Donc, on se retrouve après pour bah, l'épisode du coup. Re tout le monde. Alors. Donc le prank est fini, bien entendu. On va voir comment transformer ça, par exemple tout le fer qu'on a là, en fer, en lingot de fer tout simplement. Sans que nous, enfin que moi j'ai à le crafter. Donc en gros je veux que ça soit transformé en lingot de fer normal sans que j'ai à le crafter, donc en craft auto. Pour ça, on va avoir besoin. Alors, on peut le faire avec appuyer l'énergie stick, mais... faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que là, moi, je veux rien faire, je veux que ça crafte tout seul. Quand on peut crafter, on craft. Voilà. Alors que là, ça, en gros, les essences là-bas vont se stocker dans l'AME. Et quand je vais vouloir des lingots, ça va se crafter. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux que des lingots, que des lingots, que des lingots tout le temps. Et du coup, on va avoir besoin d'une crafting station et d'une crafting card pour le craft. Donc, comment on fait une crafting station? On fait comme ça, une carte base. Donc, il nous faut des cactus. Ça en a. Il nous en faut combien? Deux. Il nous en faut deux. Donc, ça c'est bon. Table de craft, machine frame. Ok, ça on a. Ensuite, une crafting table. Bon, ça on a. Du coup. Et c'est tout bon, on a juste à assembler ça pour avoir notre crafting station. Donc on va la poser là. Donc il y a besoin de l'alimentaire d'énergie, il me semble. Donc maintenant, il nous faut des crafting cards. Ok? Pour faire ces crafting cards, on a besoin de ça. Donc il nous faut encore des cartes base et du papier. Est-ce qu'on a du papier? On n'a pas de papier. Donc, est-ce qu'on peut en faire? Non, parce qu'on n'a pas de canne à sucre. Et canne à sucre, on en a là-bas. Donc tout va bien. Hop. Nickel. Hop, on a la canne à sucre. Donc on va faire vite fait, bien fait, le papier. Alors. Hop là. On a nos trois de papier. Donc comme ça. La carte comme ça, et c'est quoi l'autre? C'est une table de craft. Ah, on n'a pas de table de craft. Hop. On va faire ça. Et on a nos crafting cards. Alors, comment ça marche ça? Ok. Donc, pour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander, tiens, pour le diamant. Il me semble que c'est 9, hein.
sais pas du tout comment ça marche. Ah oui, non, ok, j'ai compris. Ok, donc là, il nous en faut juste un. Ok. Nickel. Ok, c'est ça. Donc ça, après, on le met dedans, c'est ça? Ok. Donc, j'ai trouvé pourquoi. C'est parce qu'on a crafté le mauvais truc. Et donc, c'est un crafting... Tier 2, tier 1. Ok, c'est ça. Donc, pour ça, on va devoir crafter le tier 1. Hop. Ça et les redstone lamps, je les ai donc. Hop. Voilà. Donc, si maintenant, hop, si je fais ça, je remplace ça par ça. Voilà, crafter une carte comme ça. Donc, ça, et le layout. Et pourquoi ça sort rien? Ah oui, forcément, c'est pas bon. Toc toc toc. On va prendre ça. Ok, cool ça c'est cool ça. Nickel, bah ça marche. Ça marche comme ça. Parce que du coup ça va se vider, donc ça va se remplir. Et je vais essayer de faire ça pour un peu tout. Comme ça ira bien plus vite. Et du coup on a pas besoin de crafter une carte, ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc c'est la fin de cet épisode. Donc dans cet épisode on aura prank Pimousse. Et on aura fait notre petit système de crafting comme ça. Donc je vais faire ça pendant tout. Donc ça va pas besoin de vous montrer, hein, ça va être un petit peu pareil. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, partager, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était Easy. Peace.